paquet de jeunes femmes là qui enceinte. Et ça qui est triste dans enceinte là, yo infecté avec maladie sida. Et c'est nèg gang 5 secondes qui te violé yo. Ça dit chargé nèg 5 secondes qui gen sida. Koun yo wè samedi là, gen doit gen moun là qui encore traumatisé. Parce que vous êtes victime de gang ça. Eh bien, moi, fin de garde dans tweet là, y a une quantité de jeunes femmes haïtiennes là qui enceinte. Ah. Bon, gardez moi. Bon, gardez pour moi. Salut Star FM 96.1 en Norvège. Ah, bah, m'te ouais, ce n'est pas ta gel, selon Indigène Info. Plusieurs femmes infectées par le VIH SIDA. SIDA, hein? VIH, SIDA, VIH. Yo infecté, yo tombe enceinte. Après zak viol, yo te subi en bas gang armé. Genyon paquet moun la ki non état de stress aigu. Ça dit stress la touye yo la. Et je dis ya, et yo mentionne vous dit que spécialiste en santé mentale en Haïti yo très rare. D'après ça, l'ONU fait qu'on est, selon enquête l'action. Bon paquet gang là, un paquet bandit qui infecté avec maladie sida. Et qui envahit un paquet de jeunes filles là qui ont couché, qui ont violé. Et non seulement yo enceinte, yo gen VIH dans sang yo. Ou ka réfléchi à ça. Juste réfléchir en seconde. Est-ce qu'on pays ka vivre comme ça? Et c'est sur cette base. C'est pas parce que moi gen problème ou bien pas humain. Et c'est ça que t'es arrivé avec Zamian, directeur CNDA lorsque tu t'es arrêté monsieur. Yo te kidnappé, ou m'di arrêté. Le yo te kidnappé, monsieur. C'est pas parce que m'pa humain. Non. C'est parce que moi m'son nèg qui gen sentiment. Et c'est qu'on s'amie. La kaye mouen ou en dehors la kaye mouen qu'on s'amie. Ça m'a douli m'juste douli. Ça k'arrive m'kon m'conscient que. Nous avons droit d'une parole ou estimé qui blesse, mais son vérité, en pile nan nous, pas vle di. Bon, m'di non ti bagay. M'tende Liliane Pierre-Paul, que m'pral fait n'tende un extrait. M'tende Marie-Lucie Bonhomme, que ça fait mal le map tendel. Et ça ka fait mal tout l'autre tendel. Mais, ça pa empêche que, moi j'oublie. Si jodi a n'a vive situation ça côté que nèg exam ça yo y a fait ça yo vle dans pays a côté personne pas épanier équipe nèg qui kembe Pierre au Pierre Louis au pont. Bien sûr, c'est nèg vite l'homme qui kidnappe monsieur. Vite l'homme, c'est base Ariel Henry. Parce que monsieur d'accord, c'est lui-même qui a couché pour voir ça. L'autre dit Ariel Henry ou dit Michel Martelly. L'autre dit Ariel Henry ou dit c'est toute dernière nomination Jovenel Moïse bien avant son assassinat. Et qui est-ce qui était responsable, qui était directeur général KEP à l'époque là, qui t'a pral accepté malgré lui publier un résultat élection que lui conscient c'est pas de bon résultat, c'était Pierre-Louis Aubon. Parce que bon me dit non, on pas vle consomme yo confrère yo penser que son bagay ki mal ou bien gen contact moun
ou bien n'a caché une série de vérité. C'est vrai que nos moments tristesse, mais nous pas qu'à oublier tout. Parce que c'est n'arrête même oublier qui fait la guerre à Haïti côté la guerre jodi a. Nous oublier toute bagaille comme si rien pas voulait dire rien pour nous. Ça veut dire si nous tomber là jodi a côté ces négaxam captaille banda. Font nèg même son nèg dit tout sauvelé. Moi reconnaître t'y a un petit problème dans le pays bien avant 2004. T'y a un nèg exam dans le pays, mais moun te ka circuler. Moun te capable marcher. Si on nèg comme sou pas sou bloc fort d'accord, Haïti plonge côté le plonge, c'est après équipe tête calé a vinn prendre pouvoir là. Son vérité lié. Son vérité lié, fort d'accord ça. Ça veut dire que Pierre-Louis Aupon, monsieur pas innocent dans parti ça. Parce que comme nèg conscient, comme nèg comme intellectuel, comme nèg cerveau, ou pas ka d'accord pour un président qui a eu pétré non là. Et c'est ça m'te dit m'don un petit bluffer Boston qui a folie, qui t'a cherché faire non li, qui dit m'tap attaquer Gayo, m'te minimiser travail. Et bien, si la patte, j'aime comprendre que c'est ça m'tap dit Gayo d'Orsainville. Parce que après l'élection, ça yo, personne pas j'aime connaître qui côté Gayo fait. Jusqu'à ce que m'tal découvrir, monsieur, qu'ap travail comme agent de sécurité non market ici en Floride. Parce que ou pas capable, moi-même, ou pas capable, directeur général yo KEP. Ou reconnaître ou conscient résultat yo bay la c'est pas li que ou te connaît c'est pas li et pour accepter publier prétextant que ou éviter chaos en vérité bon pito te lagué dans chaos mais pas d'ap vivre ça n'a vivre là jodi a sou quoi menti tant de Pierre-Louis Aupon. Merci à toute l'équipe de Kiskeya. Conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupon déclaré matin jeudi a résultat élection 2010 il était remettre comme directeur général ancien KEP Gayo d'Orsainville là c'est pas eux même qui t'ai publié comme quoi c'est pas le président Michel Martelly qui t'ai élu monsieur Aupon qui t'a essayé bay dans micro radio vision 2000 explication sous silence li dans dossier ça déclaré il était craint pour pas gain des blousailles dans pays a après tout chita parler qui t'ai fait entre quelques représentants communauté internationale là avec autorité haïtienne yo sous publication résultat yo. Pierre-Louis Aupon te répond question confrère nous Valérie Numa dans rubrique invité du jour. Loi électorale ça te dit clairement que les résultats sont communiqués par le directeur général au directeur des opérations qui les donne au président du CEP ou publication. Maintenant, et les résultats connus par le public et les résultats imposables aux différents élus sont ceux officiellement publiés par le président du CV. Donc aujourd'hui, la différence... Non.